tu peux en profiter, si tu n'as pas encore salué ton voisin, mais ta voisine, tu peux le ou bien la saluer, lui dire bon âge. Donnons une forme d'acclamation à ce que tu as. Je vais venir de nous, Seigneur. Ce moment qui est possible, alléluia. C'est une joie, amen. Donc, pour nous retrouver en sa présence. Alléluia. Tout son voisin, dit voisin, c'est une joie d'être dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vous celui qui a sa dîme, approche-toi rapidement. Nous allons prier. La dîme avec toi. La Bible dit, apportez à la maison du trésor. Quand tu dis, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Si pour vous, je n'ouvre pas les coups des cieux, et sur vous, si je ne réponds pas une bénédiction en abondance. En abondance. Le vendredi était avec mon père. Pendant qu'il était en train de prêcher, il a dit quelque chose de très fort. Il a dit la parole de Dieu, qui est le logos. Écoutez-moi très bien. Le logos transforme. Tiens, le logos transforme. Le logos transforme. Le logos purifie. La Bible dit, par ta parole, tu nous purifies. Le Saint-Esprit confère à ton esprit que dès l'instant que tu viens de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, tu es enfant de Dieu. Donc nous ne naissons pas enfants de Dieu, mais nous devenons. Amen. Enfants de Dieu. Mais par le Logos. Écoutez-moi très bien. Levez simplement les mains.
en mangeras de là de ce fruit, tu mourras. C'est pas ça? C'est ça? Ok. Les premières conséquences quand l'homme a mangé du fruit, ce n'est pas la mort, c'est la malédiction. Dieu ne maudit pas l'homme, mais il maudit la source qui lui donne la nourriture. Dieu ne maudit pas l'homme, mais il maudit la terre. D'où provient quoi? Sa source. Qui était sa source de revenu? Qui faisait que là pouvait quoi? Là pouvait quoi? Pousser et donner ses fruits. Il sera quoi la nourriture de l'homme? Écoutez-moi très bien. Quand tu touches à ce qui est interdit, qui est la dîme, Dieu maudit quoi? Ta source. D'où provient ta force? D'où provient tes finances? Voici pourquoi j'ai travaillé. Même ma, je ne vois rien. Les salaires de mes minutes, pourquoi? Parce que ta source, d'où provient quoi? Ta force. C'était tellement fort. Quand il a fini notre combat, il dit, papa, tu ne bouges pas. Elle est, tiens, tu vas en même temps. Je ne bouge pas, mes amis, ça tient en même temps. Alléluia. Amen. Mes amis, c'est vrai, je peux être en manque, mais Dieu pourvoit. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je peux être en manque, mais Dieu, pourquoi? Parce que ma source est bénie. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je voudrais bénir le nom du Seigneur, le nom de notre Dieu. Je lui fais la grâce de parler de sa part. Alléluia. C'est un privilège de parler de la part de Dieu. C'est une grâce de parler de la part de Jésus. C'est pas permis à tout le monde. Dans ma pauvreté, dans ma misère, Dieu m'a choisi. Alléluia. Aujourd'hui, il permet que je parle de lui. Amen. Je ne fais que bénir son nom. Je ne fais que lui donner toute la gloire. Alléluia. Dans mes débuts du ministère, j'étais venu en jeune, ici au département, j'étais à Port-Bouin. Et maintenant, c'est ma produce, le Père. Il y avait un thème, le Père, il m'a traité. C'était où est la coupe de Joseph. Alléluia. Où est la coupe de Joseph. Je suis comme ce terme-là. Et j'ai écouté le message, vraiment ça m'a fait du bien. Quand j'ai entendu le Père prêcher, j'ai dit, ah Seigneur, est-ce que tu peux me mettre un jour où nous avons prêché comme ça? Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est la prière que j'ai fait dans mon père. Je suis entré à Port-Bouin. Et je suis arrivé à Port-Bouin. Un mois après, on m'appelle, puisque j'étais parmi les appelés, on m'appelle, on dit que tu es choisi pour prêcher. Alléluia, on t'a sélectionné pour prêcher. Pour prêcher un dimanche. Il dit, ah Seigneur, il dit quoi? J'ai commencé à lutter. Et le thème qui est venu dans ma tête, c'était où est la coupe de Joseph? Alléluia. Le thème du Père qui est venu dans mon cœur. Il dit, ah, je ne savais pas comment commencer le thème, comment terminer. Mais le thème était dans mon esprit. Donc mon ami m'a demandé, tu as prêché quoi? Il dit, il y a un thème là, c'est dangereux. Il se dit quelque part depuis ce thème-là. Il ne sait pas. Il dit, la coupe de Joseph, il ne sait pas ça encore. Amen. Il dit, le jour J, j'ai pris le micro. Il ne sait pas franchement du coup commencer. J'avais peur. Il dit, ah, mon thème c'est où est la coupe de Joseph? Le passé s'est levé. Il dit, petit, tu veux nous envoyer où encore? C'est pas ça. J'ai tout ménagé. J'ai tout ménagé ici, à gauche, à droite. Mais ce qui m'a plu, Dieu a touché les gens. Alléluia. Amen. Dieu a touché les gens. Jusqu'à il y a des moments qui sont levés, on a commencé à me bénir. Alléluia. Amen. Les moments où on dit qu'on a entendu les messages, mais ce que tu as prêché, c'est fort. Amen. Ça, c'est fort. Écoutez-moi. C'est Dieu lui-même qui a touché la progression. C'est moi qui l'ai dit. Alléluia. Depuis ce jour, j'ai dit que il faut que je vienne en contact avec l'homme de Dieu. Alléluia. J'ai compris que je devais être en contact avec lui. Voilà pourquoi Dieu a choisi ce thème-là. C'est un message que Dieu lui donnait.
Dieu peut me parler de toi. Alléluia. Aujourd'hui, nous voici sous près de lui. Amen. 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 Depuis, il ne sait pas même où mettre là où mettre le. Il n'a plus. Alléluia. Il m'a écouté. Il m'a dit, fils, il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Tu vas y arriver. Gloire à Jésus. Amen. 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 Il est un père pour moi. Il est un père pour moi. Il n'est pas seulement un père pour moi. Il est un leader pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas seulement un leader pour moi. Il est un formateur. Alléluia. Il me compte pas seulement dans le domaine spirituel. Il me compte dans le domaine de la vie. Alléluia. Dans la vie. Il me pousse à faire les affaires. Il m'encourage à dire, fils, tu dois faire quelque chose. Tu dois t'en aller dans l'autre Dieu. Alléluia. Fais-moi. J'ai ma famille qui est habitée. J'ai ma famille qui est habitée. Quand je suis venu travailler avec l'homme de Dieu, ils sont levés contre moi. Parce que dans ma famille, on a une église familiale. Une grande église. Amen. Une grande église. Donc si tu es appelé, tu es obligé de travailler dans l'église. Alléluia. Ça fait que vraiment, quand j'ai quitté, eux tous sont levés contre moi. Ils m'ont privé de tout. Ils m'ont dit que comme tu dis que tu es une belle, alléluia. Comme Dieu te parle, voilà, Dieu te parle, on va voir où tu es. Alléluia. Je pète à eux, puis il y a avec moi. S'il y a une famille, parce que si je suis dans mon lit, dans le même ministère, on va dire à vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais bien aimé, c'est Dieu qui va continuer le Christ en Dieu. Amen. Par son canal aujourd'hui, ma famille m'avait lié. Ma famille m'avait été hier, mon grand m'appelle. Il m'a dit, fils, je suis convaincu là où tu es. C'est Dieu qui t'a mis. Parce que Dieu m'a parlé à ce que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Cet homme-là, vraiment, il me fait beaucoup de choses. Bien aimé, je n'ai pas de mots vraiment pour l'honorer. Alléluia. Je voudrais que vous m'aidiez ensemble. On va clamer le Seigneur Jésus de cet homme. Alléluia. 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 Amen. Bien aimé ce matin, je voudrais bénir le nom du Seigneur, le nom de notre Dieu. Je lui fais la grâce de parler de sa part. Alléluia. C'est un privilège de parler de la part de Dieu. C'est une grâce de parler de la part de Jésus. C'est pas permis à tout le monde. Dans ma pauvreté, dans ma misère, Dieu m'a choisi. Alléluia. Et aujourd'hui, il permet que je parle de lui. Amen. Je ne fais que bénir son nom. Je ne fais que le nom toute la gloire. Alléluia. Dans mes débuts du ministère, j'étais venu en jeune, ici au département, j'étais à Port-Bouin. Et maintenant, c'est ma produit le Père. Il y avait un thème, le Père m'a traité. C'était où est la coupe de Joseph. Alléluia. Où est la coupe de Joseph. Je suis comme ce thème-là. Et j'ai écouté le message, vraiment ça m'a fait plaisir. Quand j'ai entendu le Père prêcher, j'ai dit, ah Seigneur, est-ce que tu peux me mettre un jour nous autres de prêcher comme ça? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est la prière que j'ai fait dans mon père. Je suis entré à Port-Bouin. Et je suis arrivé à Port-Bouin. Un mois après, on m'appelle, puisque j'étais parmi les appelés, on m'appelle, on dit que tu es choisi pour prêcher. Alléluia, on t'a sélectionné pour prêcher. Pour prêcher un dimanche. Il dit, ah Seigneur, il y a un dimanche. J'ai commencé à lutter. Et le thème qui est venu dans ma tête, c'était où est la coupe de Joseph. Alléluia. Le thème du Père qui est venu dans mon cœur. Il dit, ah, je ne savais pas comment commencer le thème, comment terminer. Mais le thème était dans mon esprit. Donc mon ami m'a demandé, tu as prêché quoi? Il dit, il y a un thème là, c'est dangereux. Il s'est dit quelque part depuis ce thème-là. Il dit, c'est quoi? Il dit, la coupe de Joseph, c'est pas ça encore. Amen. J'ai dit, le jour J, j'ai pris le micro. Il ne sait pas franchement du coup commencer. J'avais peur. Il dit, ah, mon thème c'est où est la coupe de Joseph? Le passé s'est élevé. Il dit, petit, tu veux nous envoyer où encore? C'est pas ça. J'ai tout ménagé. J'ai tout ménagé ici, à gauche, à droite. Mais ce qui m'a plu, Dieu a touché les gens. Alléluia. Amen. Dieu a touché les gens. Jusqu'à il y a des moments qui sont devenus, nous avons commencé à les bénir. Alléluia. Amen. Les moments où on dit qu'on a entendu les messages, mais ce que tu as prêché, c'est fort.
Amen. Ça c'est fort. C'est Dieu lui-même. Attention à ton voisin, c'est moi qui l'a trouvé. Alléluia. Depuis ce jour, j'ai dit que il ne faut pas être en contact avec l'homme de Dieu. Alléluia. J'ai compris que tu devais être en contact avec lui. Voilà pourquoi Dieu a choisi ce thème-là. C'est un message que lui donné. Dieu veut me parler de toi. Alléluia. Aujourd'hui, me voici auprès de lui. Amen. 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 Mais depuis, il ne sait pas même où mettre là où me le. Il m'a pris. Alléluia. Il m'a écouté. Il m'a dit, fils, faut pas avoir peur. Alléluia. Tu vas y arriver. Voilà à Jésus. Amen. 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 Il est un père pour moi. C'est un père pour moi. Il n'est pas seulement un père pour moi. Il est un leader pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas seulement un leader pour moi. Il est un formateur. Alléluia. Il me compte pas seulement dans le domaine spirituel. Il me compte dans le domaine de la vie. Alléluia. Dans la vie. Il me pousse à faire les affaires. Il m'encourage à dire, fils, tu dois faire quelque chose. Tu dois t'en aller dans l'autre Dieu. Alléluia. Fais-moi. J'ai ma famille qui est à Abidjan. J'ai ma famille qui est à Abidjan. Quand je suis venu travailler avec l'homme de Dieu, ils sont levés contre moi. Parce que dans ma famille, on a une église familiale. Une grande église. Amen. Une grande église. Donc si tu es appelé, tu es obligé de travailler dans l'église. Alléluia. Amen. Ça fait que vraiment, quand j'ai quitté, eux tous sont levés contre moi. Ils m'ont privé de tout. Ils m'ont dit que comme tu dis que tu es une belle, alléluia. Comme Dieu te parle, voilà, Dieu te parle, on va voir où tu arrives. Alléluia. Je pète à eux, puis il y a avec moi. S'il y a une famille, parce que si je suis dans mon lit, dans le même ministère, on va dire à vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais bien aimé, c'est Dieu qui m'a conduit au Christ. Amen. À son canal aujourd'hui, ma famille m'avait lié. Ma famille m'avait été lié pour moi qui m'appelle. Il m'a dit, fils, je suis convaincu là où tu es. C'est Dieu qui t'a mis. Parce que Dieu m'a parlé à ce que vous savez. Alléluia. 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 Amen. Cet homme-là, vraiment, il me fait beaucoup de bien. Bien aimé, je n'ai pas de mots vraiment pour l'honorer. Alléluia. Je voudrais que vous m'aidiez ensemble. On va clamer le Seigneur Jésus de cet homme. Alléluia. Je te souviens, tu peux te transformer. Alléluia. Alléluia. Tu dois accepter Jésus. Parce que quand tu acceptes quelque chose, tu n'as pas honte de le présenter. Alléluia. Quand une femme a un mari, elle n'a pas honte de présenter son mari. Pourquoi? Parce qu'elle accepte ce mari dans sa vie. Donc partout elle passe, elle peut le présenter. Quand tu fais un cadeau à un don qui est joli, tu n'as pas peur de présenter cette chose-là. Pourquoi? Parce que ça te plaît. Mais les chrétiens, on ne présente pas Jésus. Parce que nous-mêmes, on n'a pas accepté Jésus. Parce que toi-même, tu n'as pas accepté Christ. Alléluia. Le Seigneur me dit, c'est temps maintenant que tu attrapes sa main. C'est temps que tu stoppes à ta vie. Que tu le saisisses, que tu l'attrapes. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans cet temps, chaque après nous sortons, ou chaque 6 heures, pour proclamer l'évangile. On était devant ce procès. Pendant qu'on prêchait l'évangile, pendant qu'on proclamait Jésus, amen. Il y a un homme qui est venu vers nous, qui a dit, pasteur, en réalité, je suis chrétien. Alléluia. Je suis chrétien. Il a dit le nom de l'église qui lui fêtait. Je vais là-bas. Mais quand j'ai attendu ce que tu as dit, j'ai vu que je n'ai pas accepté Jésus. Alléluia, devant ce procès, il dit, je me mets en genoux, prie pour moi. Je vais accepter Jésus. Je vais connaître Jésus. Alléluia. C'est vrai, je vais à l'église, mais je ne connais pas encore Jésus. Wow. C'est extraordinaire. J'étais avec un jeune frère devant le Mathieu. Le jeune me dit, ah Noël, qu'est-ce qui se passe? Je dis, frère. Il m'a dit, est-ce que donc c'est possible que tu peux aller dans l'église? Il n'y a pas moi Jésus. Il dit, c'est ça, on vient de voir tout à l'heure. Il va à l'église, mais il n'a pas Jésus. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as Jésus dans ta vie?
Prenez si tu as Jésus dans ta vie. Quel que soit le projet de ce second ta vie ne sera jamais atteinte. Alléluia. Parce que Jésus est dans ta vie. Si tu as Jésus dans ta vie, quel que soit bien-aimé le plan de l'ennemi, tu vas t'échapper. Alléluia. Parce que Jésus est dans ta vie. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tout qui croit en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et si tu as reçu Jésus, si tu as reçu Jésus, tu dois le proclamer. Si tu as reçu Jésus, bien-aimé, tu ne dois pas dormir avec Jésus. Tu dois te lever, aller dans les rues pour proclamer Jésus. Pour dire à quelqu'un, j'ai reçu Jésus-Christ de Nazareth. Il a changé ma vie. S'il a changé ma vie, il peut aussi changer ta vie. Alléluia. Est-ce que l'Église proclame Jésus? Deuxième chose, c'est annoncer l'évangélisation. C'est annoncer le message de Dieu. Alléluia. C'est annoncer le message de Dieu. Le message de Dieu. La Bible dit, dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le message de Dieu est que Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité de la mort. Alléluia. Voici le message de Dieu. Quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, la Bible dit Pierre s'est mis devant 3000 âmes, il a commencé à prêcher le message de Dieu. 3000 âmes se sont converties. Voici le message de Dieu. Alléluia. Le message de Dieu, tu dois annoncer. C'est ce message qui t'a transformé. Quand tu as entendu quelque part, ça a changé ta vie. Donc toi aussi, tu dois parler. Tu dois prêcher ce message. Tu dois annoncer ce message. Amen. Tu dois annoncer le message de Dieu. Beaucoup d'entre nous n'annoncent plus le message de Dieu. On est chrétien. On connaît le message de Dieu. Mais on n'annonce plus le message de Dieu. Mais on s'inquiète pour nos propres problèmes. Pendant que Dieu nous attend à ce que nous annonçons son message. L'église a démissionné. Quoique elle envoie l'église. Parce qu'elle n'annonce plus le message de Dieu. Le message de Dieu, qui est la résurrection du Christ. Le message de Dieu, qui est la mort, qui est la croix de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit à la croix, il a pris des malédictions. À la croix, il a pris des pauvretés. À la croix, il a pris des péchés. Bien aimé, il s'est fait bon, afin que toi tu sois riche. Alléluia. Le message de la croix. La croix est une honte pour les païens, mais une puissance. Amen. Est une puissance pour moi. J'ai pas honte de prêcher l'évangile, alléluia. Partout où je parle de Jésus, j'annonce le message de Dieu. Amen. Parce qu'il y a une puissance dans le message de Dieu. Est-ce que tu annonces le message de Dieu? Dans ton lieu de travail. Peut-être que tu dis qu'il travaille, mais dans ton lieu de travail, est-ce que tu annonces le message de Dieu? Là où tu vas, est-ce que tu annonces le message de Dieu? Dans ton magasin, est-ce que tu annonces le message de Dieu? Que Dieu, l'heure a sonné, où Dieu attend ce qu'on se lève pour annoncer ce message. Parce que Dieu veut libérer les captifs, Dieu veut libérer les personnes qui sont ses enfants. Alléluia. Dieu veut les libérer. Mais Dieu attend ce que toi tu te lèves. Alléluia. Annoncer le message de Dieu. Tu peux annoncer le message de Dieu. C'est important. L'évangélisation, c'est témoigner l'amour de Dieu aux âmes perdues. C'est témoigner l'amour de Dieu. Oh, l'amour de Dieu. Bien-aimé, Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Tu dois témoigner de l'amour de Dieu. Regarde-moi Noël, regarde ma vie un peu. Ma vie qui n'est rien, mais à cause de l'amour de Jésus, il a pris ma vie et il m'a donné sa vie. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis pauvre. Moi, tu n'as rien. Jésus a pris ma pauvreté et il m'a donné sa richesse. À cause de son amour, amen. Hier, j'étais quelque part. J'étais dans la poisson hier. J'étais dans le bouteille hier. Mais Jésus m'a libéré. Je dois témoigner de son amour. Je dois témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Jésus t'a libéré toi aussi. Notre père a mis son témoignage. Passé de ma sœur a mis son témoignage. Papa a mis son témoignage.
comme le foyer de terre, dans les profondeurs de l'enfer. Et puis Jésus l'a retiré là-bas. Alléluia. Jésus t'a arrêté quelque part. Le fou de Gadara. Ce gars, il était fou. Il a été mort. L'avait possédé. La Bible dit aussi que quand le liait avec des chaînes, il brisait ses chaînes. Il tombait dans les cimetières. Bien aimé, il prenait les cailloux pour s'écarter. La Bible le jour a rencontré Jésus. Jésus l'a libéré. Il allait témoigner de l'amour de Jésus. Amen. Et toi, tu connais ton témoignage. Tu connais ton témoignage. Tu sais l'homme Dieu t'a enlevé. Regarde l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est grand. Dieu pouvait t'abandonner dans tes péchés. Dieu pouvait te condamner. Dieu pouvait t'accuser. Mais Jésus dit, il n'est pas venu pour condamner le monde. Mais il est venu afin que le monde soit sauvé par lui. Quelle que soit ta vie que tu mènes, Jésus peut te sauver. Il peut sauver ta vie encore. Alléluia. Je témoigne de l'amour de Dieu. Est-ce que tu témoignes de l'amour de Dieu? Frère, tu viens de presser d'aller témoigner de l'amour de Dieu. Quand tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie, bien aimé, à propos de nos familles, non, papa nous a donné un médicament. Demande tout ses bêtes. Ce médicament, c'est l'image des palabres. Quand palabre, c'est debout en famille, tant que le sang ne brûle pas, on ne se laisse pas. Quand palabre, c'est debout, nous qui sommes en transe, celui qui connaît, il doit venir taper dans notre trois fois. Quand il tape, ça s'arrête en même temps. Alléluia. Amen. C'est comme ça que je suis sorti. Il y avait un vieux père du quartier. Il est même pas là, c'était un braqueur. À ce temps-là, les gens avaient peur de lui. Il avait mis le quartier Saint-Cassis. Dans ce quartier, le quartier dormait à partir de 18h. Parce que ce temps-là, il est venu sur le quartier. Un jour, nous sommes sortis de notre quartier. On allait dans ce quartier. Et il est arrivé là-bas. Ce monsieur avait son boy. Et bien aimé, l'un de son petit, il est venu chercher des sous avec moi. Il voulait m'influencer. Non, c'est comme ça qu'on a commencé à discuter et le gars m'a giflé. Quand le gars m'a giflé, j'essaie de me battre avec lui. Mes amis m'ont séparé. Et son Dieu est venu. Quand son Dieu est venu, il dit il m'a botté normalement. Alléluia. Il m'a botté normalement. Je me suis levé, il dit ok, tu m'as frappé. Il n'y a pas de souci. Je connais mon grand frère. Mon grand frère, quand lui vient, lui prend. Alléluia. Lui prend. Lui va même pas te dire, mais toi tu as tombé. Je connais sa capacité. Je connais la force que mon père lui a transmise. Alléluia. S'il vient toi, il va te pastorer normalement. J'ai commencé à témoigner de mon grand frère. J'ai commencé à parler de lui. Le gars, il dit, ah, mais mon grand frère, c'est qui? Alléluia. À ce temps, on appelle Caosio. Mon grand frère, on appelle Caosio. Mais quand il y a un coup de tête, c'est fini. Son coup de tête, c'est parti. Voilà Jésus. J'ai commencé à témoigner de lui. Pourquoi? Parce que je connaissais mon grand frère. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça aujourd'hui. Je ne témoigne plus de lui, mais je témoigne de Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils de Dieu, celui qui est sur notre mort, le roi des rois, je témoigne de Jésus-Christ de Nazareth. Il est plus que mon grand frère, il est plus que le Dieu de mon père, il est plus que le Dieu de Marabout. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Tu dois témoigner de lui. Quand tu témoignes de Jésus, ta vie est arrosée. Quand tu témoignes de Jésus, bien aimé, tu vis dans la paix. Alléluia. Alléluia. L'évangile est comme un trésor que nous portons en nous. Alléluia. Or, quand tu lis la parole de Dieu, la Bible dit, là où est ton trésor, là où se trouve ton cœur. Amen. Si l'évangile est un trésor que nous portons en nous, cela veut dire que les regards de Dieu sont sur notre vie. Alléluia. Amen. Témoigne de l'évangile. Tu dois évangéliser. Qui c'est? Pourquoi tu dois évangéliser? Qui c'est? Alléluia. Amen. Non, personne ne sait pourquoi évangéliser. Pourquoi évangéliser? Nous devons évangéliser. Parce que c'est la volonté de Dieu. Tu dois évangéliser. Parce que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté des hommes. Alléluia. La volonté des hommes. Et que toi tu sais travailler seulement. Que tu goûterais l'argent. Alléluia. Que tu goûterais les milliards. Ça, c'est la volonté des hommes. Mais la volonté de Dieu est que toi, tu dois parler de la part de son fils. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Bien aimé. Donc
l'esprit de Dieu, on peut rien faire. Parce que tu es chrétien. Le chrétien, c'est celui qui s'est enrôlé à marcher avec Christ. Alléluia. C'est celui qui a pris la décision d'abandonner sa vie passée, de laisser toutes ces choses. Alléluia. Et marcher avec Christ. Donc, c'est lui qui prend l'engagement d'appliquer la volonté de Dieu, textuellement. Donc, si tu es chrétien, si tu t'es enrôlé à marcher avec Christ, tu dois évangéliser, tu dois accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dois accomplir par la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Jésus a accompli la volonté de Dieu. La Bible dans le jardin de Gethsémané. Amen. Jésus a vu la coupe. C'était fort, c'était puissant. Il a dit, Père, si tu peux écarter ça un peu de moi-même, c'était bon. Hein? Mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Jésus n'a pas laissé sa volonté primer, mais il a laissé la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Alléluia. Amen. Tu dois évangéliser parce que c'est la volonté de ton Dieu. Alors si tu es conscient que c'est la volonté de Dieu, bien aimé, tu ne dois pas jouer avec ça. Tu ne dois pas t'abuser avec ça. Parce que Dieu ne joue pas avec sa volonté. Dieu ne joue pas avec sa volonté. Si toi tu t'abuses avec la volonté, tu peux mettre ta vie dedans. Amen. Tu peux être chrétien. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu seras supprimé dans l'enfer. Alléluia. Parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Et l'une des volontés de Dieu, c'est d'aller évangéliser. Voilà pourquoi tu dois évangéliser. Quand un chrétien entend ces choses, il doit constater en lui-même. Quand un chrétien entend ces choses, il doit dire non. Je dois changer mon attitude. Je dois commencer à faire la volonté de Dieu. Longtemps tu as fait ta volonté. Longtemps tu as aimé les démons dans ta famille. Longtemps selon ta volonté, tu as tué tous les sorciers dans ta famille. Selon combien ta volonté, même les démons n'existent plus. Alléluia. Mais c'est le temps maintenant. Le temps est arrivé. Il est maintenant de faire la volonté de ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, écoutez très bien. Nous sommes dans un temps, dans les derniers temps, où Dieu va suspirer une armée. Amen. Le réveil divin. Dieu va susciter des personnes. Ah, j'ai prié que c'est moi. Alléluia. Alléluia. Ah, je suis sûr que je suis dedans. Alléluia. Dieu va susciter des personnes, des enfants, des mamans, des vieillards qui vont se mettre dans la rue. Alléluia. Pour annoncer l'évangile, pour annoncer la parole de Dieu. Parce que c'est sa volonté. Si nous, on ne peut pas le faire, si on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu, Dieu va susciter des personnes. Parce que l'heure à Jésus les vient bientôt. Alléluia. Jésus revient. Donc Dieu va susciter des personnes, des bébés, des enfants qui vont parler de la parole de Dieu. Ils vont s'arrêter dans la rue pour prêcher l'évangile. Deuxième chose. Parce que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que le monde soit sauvé par son Fils. Alléluia. Jésus est venu, il a marché selon le plan de Dieu. Il a accompli la mission de Dieu. Jésus est parti. Il a dit que je ne vous laisserai pas au filet. Je vais envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit, il a esprit. Il vit en nous. Alléluia. Maintenant, c'est à nous. Maintenant, tu as accompli le plan de Dieu. Alléluia. Comment? En allant au dehors vers les païens, vers les musulmans, vers les bouddhistes, vers les marabouts, pour leur annoncer quoi? L'évangile, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est sauver l'humanité. Donc Dieu conçoit pour accomplir son plan. Dieu a besoin de tes pieds. Dieu a besoin de ta bouche. Dieu a besoin de tes mains. Bien le poids pour sauver l'humanité. C'est le plan de Dieu. Donc si toi tu n'es pas dans le plan de Dieu, ah, tu es disqualifié. Donc pour être dans le plan de Dieu, tu dois commencer à prendre conscience en toi-même. Que la vie chrétienne n'est pas seulement le mariage, n'est pas résumé en mariage. Alléluia. Mais
c'est de marcher dans le plan de Dieu. Troisième chose, parce que c'est l'ordre de Dieu. Parce que c'est un ordre. C'est un ordre de Dieu. C'est la recommandation de Jésus à l'Esprit. Alléluia. Il dit allez. Allez, c'est un ordre. Il ne négocie pas avec toi. Il te demande d'aller. Allez partout. Allez partout. Dans les nations. Pour annoncer l'évangile. C'est un ordre de Dieu. Dieu t'ordonne, bien-aimé. Dieu t'ordonne ce matin. Dieu n'est pas venu négocier avec toi. Dieu n'est pas venu. Il est venu t'ordonner. Il t'ordonne de sortir. De parler de sa part. Donc, étant chrétien, tu es appelé à obéir à l'ordre du Seigneur. Quatrième chose. Parce que c'est le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, parce que c'est le cœur de Dieu. Parce que c'est le cœur de Dieu. L'évangile, c'est le cœur de Dieu. Amen. Il y a des gens, les gens ont prié, ont dit, ah Seigneur, je veux l'homme selon mon cœur. Parce que David a été l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Tu veux l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ce que tu dois faire. Alléluia. Parce que l'évangélisation, c'est le cœur de Dieu. L'évangélisation, c'est le cœur de Dieu. L'évangélisation fait partie du cœur de Dieu. L'évangéliste a la capacité de rejouir le cœur de Dieu. A la capacité, bien aimé, de parler au cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que l'évangéliste, c'est le cœur de Dieu. Donc, quand tu veux rejouir le cœur de Dieu, il faut évangéliser. Tu veux l'homme sur le cœur de Dieu, il faut évangéliser. Il faut évangéliser. Parce que c'est le cœur de Dieu. Nous devons évangéliser. Parce que les hommes périssent. Nous devons évangéliser parce que les hommes périssent. Sixième, nous devons évangéliser parce que Jésus revient bientôt. Et Jésus revient bientôt. Alléluia. Jésus revient bientôt. Dis à quelqu'un, c'est vrai, Jésus revient bientôt. Peut-être que dans l'ange, on a dit, hey, frère, pour toi, c'est comme pour Jésus. Okay. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que le gars, depuis là, il va devenir, il ne vient pas. Alléluia. C'est un langage que Satan a inventé parmi les enfants de Dieu pour nous distraire. Pour nous amener à ne plus croire que Jésus le veut bientôt, à vivre n'importe comment. Je suis venu dire à quelqu'un, longtemps on te parle. On te parle de changer de vie. On te dit change d'attitude. Mais tu ne veux qu'à ta tête. Toi tu fais comme tu veux. Tu fais ce qui te plaît. Laisse-moi te dire, Jésus le veut bientôt. Alléluia. Jésus le veut bientôt. Il y a un pasteur qui m'a dit non. Fils, Jésus, il va venir, il est déjà en chemin. Amen. Jésus est déjà en chemin. Bishop, Jésus est venu bientôt. Donc, tu dois prendre conscience de ta vie et aller évangéliser. La vie chrétienne est comme un bateau qui est là où Dieu veut entrer tout le monde dedans. Alléluia. Et comme l'arche de Noé. Mais Dieu veut entrer ses enfants dans ce bateau. Parce que la pluie va venir, alléluia. La pluie va tomber, amen. Mais aussi longtemps que ces hommes sont encore dans le monde, alléluia. Comment? Donc voilà pourquoi Jésus t'interprète, toi qui es chrétien, pour dire il revient. Il revient pour que tu partes. Allez, tu partes évangéliser, alléluia. Pour que tu partes évangéliser. Jésus revient. Il vient chercher l'église. Il veut chercher ses enfants. Il veut chercher ceux-là même qui marchent dans ses principes. Ceux qui évangélisent. Comme nous sommes dans le terme de l'évangélisation, pourquoi je dis ça? Amen. Bien-aimé, tu veux évangéliser. Parce que quand tu as l'amour de Dieu en toi, et tu sais que Jésus revient, ton cœur te fait mal de voir ton frère qui vient encore dans le péché. Donc ça t'encourage, ça te mobilise d'aller chercher ton frère qui est encore sous l'esclavage de la poisson, qui est dans le boutage. Alléluia. Tu dois le chercher pour que tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu.
Je suis le père bientôt. Tu peux évangéliser parce que Dieu va juger le monde. Il y a un jugement. Amen. Il y a un jugement. Le monde est sous la condamnation. Parce que Dieu va juger ce monde. Ce monde est pervers. Ce monde qui vit dans la corruption. Ce monde qui vit dans le mensonge. Ce monde qui combat la loi de Dieu. Ce monde bien-aimé qui est corrompu. Ce monde qui est pourri. Ce monde bien-aimé qui vit dans les désordres. Dieu va condamner ce monde, alléluia. Le jugement de Dieu viendra. Voilà pourquoi toi, en tant que chrétien, tu dois aller chercher ton frère au-dehors pour ne pas qu'il soit jugé. Amen. Nous devons évangéliser. Nous devons parler de la parole de Dieu. Parce que Dieu va juger ce monde. Tiens-vous que ce bateau, qui était dans le bateau, ils pensaient qu'ils étaient à l'aise. Amen. Ils étaient à l'aise. Le bateau est sur la mer. Le bateau avance. Chacun mène sa vie. Les gens peuvent n'importe quoi. Mais Alain sur une petite classe a fait couler ce bateau. Alléluia. A fait couler ce bateau. Ces personnes qui ne marchaient pas. Les scientifiques qui ne pensaient même pas que ce bateau allait se couler. Alléluia, ce bateau, c'est le jugement de Dieu. Ce bateau, le monde reprend ce bateau. Amen. Le monde reprend ce bateau. Ce bateau qui est titanique, le monde c'est le bateau. Mais le petit bateau qui a voté, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'église. Alléluia. L'église est là. Amen. Parce que ce bateau qui est titanique doit être jugé. Donc toi qui es le petit bateau qui est l'église à côté, tu dois aller sauver des personnes qui sont dans ce bateau. Alléluia. Que le jugement dernier. Tu vas juger ce monde. Voilà Jésus. Troisième chose. Quand et où évangéliser? Quand et où évangéliser? Quand et où évangéliser? C'est maintenant. Dis à quelqu'un, c'est maintenant. On dit quand et où évangéliser? C'est maintenant et aujourd'hui. C'est maintenant que nous devons évangéliser. Alléluia. C'est maintenant que tu dois évangéliser. C'est maintenant que tu dois parler de la parole de Dieu. Ce n'est pas demain. Quand demain ne t'appartient pas, alléluia. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. C'est maintenant que tu dois t'élever et parler de la parole de Dieu. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après demain. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Tu dois parler de la parole de Dieu. C'est aujourd'hui que tu dois t'élever. Enfant de Dieu. L'église de Dieu. C'est aujourd'hui on soit donc. Tu dois s'élever. On doit s'élever. Parler de la parole de Dieu. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant que tu dois t'élever. Si tu mettais sur la fin demain, laisse-moi te dire, tu ne sais pas ce que demain te réserve. Il y a des personnes qui sont bien contents, mais qui sont tombées, qui sont morts. Toi, si Dieu te donne encore la vie, c'est pour parler de sa part. Pas demain, maintenant. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. L'église doit, dans un dimanche, l'église doit organiser. On a fait tout au dehors, pas dans l'assemblée ici. Tout le monde va sortir au dehors. Parce que c'est maintenant, on doit sortir. Ce n'est pas demain. L'église, on doit sortir. Si on a l'amour des saints, si on a l'amour des hommes perdus, on doit sortir maintenant. Si tu aimes ton frère comme toi-même, tu dois sortir maintenant pour aller le gagner, pour aller l'arracher dans la gueule du loup. Ce n'est pas demain. Alléluia. Ce n'est pas demain. Dieu te veut maintenant. Dieu te veut maintenant. Mon père m'a dit, fils, chaque jour est un canon pour toi de gagner une âme. Alléluia. Il dit chaque jour, c'est un talent pour toi. Tu dois te dire, étant évangélique, tu dois gagner une personne. Alléluia.
Quand Jésus va entrer en toi, il dit oui. C'est que le verbe ne s'est pas fondé. Mais ce n'est pas une question d'évangélisme seulement. Alléluia. Ce n'est pas une question d'évangélisme seulement. Tu es docteur. Tu es pasteur. Alléluia. Tu dois gagner chaque une âme. Tu es prophète. Tu dois gagner une âme. Alléluia. C'est un défi que tu vas relever. Parce que la mission première de Dieu, c'est gagner les âmes. Si Arène, on a si on met cela dans notre esprit, on va être à ce moment. Alléluia. Arène, on peut changer l'histoire de notre église. Alléluia. Arène, on peut remplir ces lieux. Alléluia. Arène, on est capable de te protéger jusqu'à le pouvoir. Alléluia. Mais si seulement tu prends l'engagement, si tu te dis aujourd'hui, je dois gagner une âme, cela se fera au nom de Jésus. Alléluia. Arène, on a trop mangé. Ton poumon. Bacani, ça subit. Alléluia. C'est vrai que Arène, si on a les super mamans qui savent préparer, ça c'est. Elles sont dangereuses dans sa vie, mais toi, t'es magique. Alléluia. Ça, c'est bon. Gloire à Jésus. Mais on doit dépasser ce niveau. On doit aller à une autre dimension. Tu veux l'onction. Tu veux l'onction. Tu dois t'élever pour aller évangéliser. Tu veux voyage. Tu dois t'élever pour aller évangéliser. Alléluia. Tu dois aller évangéliser. Et c'est maintenant. Tu dois parler de la parole de Dieu. Quelqu'un me demandait, mais parce que c'est où on doit évangéliser. Moi-même, j'ai envie de répondre, mais c'est où? Il est après. Comment tu peux me demander ça? C'est partout. Amen. Partout, on peut évangéliser. On dit quand et où évangéliser. Quand on dit c'est maintenant et aujourd'hui. Où? C'est partout. Dans les rues, tu peux aller évangéliser. Dans les marchés, tu peux aller évangéliser. Dans les hôpitaux, tu peux aller évangéliser. Ou encore, bien aimé, dans les écoles, tu peux aller évangéliser. C'est partout où tu peux évangéliser, bien aimé. Partout dans la maison, tu peux aller évangéliser. Dans ta famille, tu peux évangéliser. C'est partout. Partout. Dans ton travail, tu peux évangéliser. C'est partout où tu peux évangéliser. La règle, c'est partout. C'est partout. Même dans les gros, dans les vins forts là-bas, dans le trou là-bas, on doit aller évangéliser là-bas. Alléluia, on doit aller évangéliser. Dans les villages, on doit aller évangéliser. Aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, on aime Abidjan. Amen. On aime trop Abidjan. Ils ont dit un homme de Dieu qui prie à Shalom. On dit aujourd'hui, on va t'affecter à Borogo. Il a commencé à prier en langue. Il m'a frère, pourquoi? Il dit non, il ne parle pas à Borogo. Alléluia. Et même pourquoi il dit, ah, Abien, tout un frère. Abien, le frère ça. Les hommes qui parlent. Quand ils parlent, ils parlent. Alléluia. Quand ils parlent, ils parlent. Là-bas, la vraiment c'est compliqué. Qui va prêcher, dit non. On va t'envoyer banane. Amen. Aujourd'hui, nous tous, on est concentrés sur Abidjan. Mais c'est partout où on va évangéliser. Quelle mentalité. Ça fait pitié, bien aimé. De quoi nous les chrétiens résonnons ici. Pendant que nos parents sont dans les villages, ils ont besoin de l'évangile. Pendant que nos parents sont dans les campements, ils ont besoin de la parole de Dieu. Ils ont besoin de l'évangile. Nous, on est à Abidjan, on est concentré sur Abidjan. Non, il y a sorcier là-bas. Sorcier de là-bas, il est trop fort. Alléluia. Nous, dans nos familles, le Dieu nous appelle Bakoui. Le Bakoui est trop fort. C'est un gros serpent. Lui, la femme. Comment tu donnes la maison, tu es dans la maison, et puis tu sens, il ne serait pas passé au bout de toi. Ouais, le vieux père, c'est dangereux. Alléluia. Pour la maison, pas pour, c'est pas abusement. Donc, on dit, ne veux pas en famille, il n'y a pas pour là-bas, il n'y avait pas là-bas. Alléluia. On a fui la maison familiale, nous tous. Moi, j'ai laissé à Benjamin, il n'y a pas là-bas. Alléluia. Mais aujourd'hui, je peux rentrer en famille. Alléluia. Je peux rentrer en famille. Je peux défier le Bakoui. Pourquoi? Parce que Jésus est à moi. Alléluia. Parce que Jésus est à moi. Alléluia. Le Bakoui ne peut rien le faire. Parce que celui qui est à moi, il est plus fort que lui. Alléluia. 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 Tu ne dois pas avoir peur d'aller en famille. Parce que tu as Jésus. Amen. Voilà Jésus. C'est partout. Tu dois évangéliser. Que Dieu te bénisse.
Acclame les gens pour moi. C'est pas facile de prêcher. Mais on va y arriver. Alléluia. C'est pas vraiment facile. Si Dieu te dit de passer, comment ça fait? Alléluia. Parce que les yeux qui te regardent vraiment, c'est compliqué après là. Donc moi, tu te ménages même. Il y a un peu de t'apprendre, mais Dieu avec nous. Alléluia. On va y arriver. Alléluia. Gloire à Jésus. Le quatrième point. Comment évangéliser? Comment? Peut-être que c'est une question qui te pose. J'ai envie d'évangéliser. Je veux évangéliser aussi. On me dit d'évangéliser. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Premier, par ta bonne conduite de tous les jours. Par ta bonne conduite de tous les jours. Philippiens chapitre 2, versets 15 à 16. Par ta bonne conduite de tous les jours. Oh, chrétien, on est dangereux dans ça. Chrétien, on vient à l'église. Papa, on est soumis à l'église. Hé, ma fille, papa, mais à la maison, on est dangereux. Alléluia. Alléluia. On est dangereux. Par ta bonne conduite, par ton attitude de tous les jours, par ton comportement, tu peux gagner une personne. Quand tu es chrétien, tu dois plus vivre n'importe comment. Le monde te regarde. Les païens te regardent. Tu dois plus vivre comme vit le monde. Tu dois veiller sur ta conduite. Tu dois veiller sur ta manière de marcher. Par ta manière de faire, tu peux chasser une âme dans l'église. Ou bien tu peux empêcher quelqu'un de ne plus jamais venir à l'église. Par ta manière de faire, tu peux attirer plusieurs personnes à l'église. Comment tu te comportes en dehors de l'église? Comment tu vis ta vie que tu es dans la maison? Un jour, on va mener l'enquête. On va passer. Et que derrière, on va chez vous. On va demander à vos parents. Comment ça se passe ici? Est-ce que tu as un bon témoignage? J'ai dit, quand nous, on s'est converti, on était scellés. Oh, scellés, même tués. On gâtait tout le monde. Et dimanche, pendant le culte, on dit les nouvelles personnes. Ils sont levés. Qui t'a invité? Et maman a dit, c'est la fille. Là. La fille s'appelle Ordinaire. C'est la fille là qui m'a invité. Elle m'a invité. Elle m'a invité. Elle m'a invité. La maman dit, si, tu m'as invité. Elle a demandé le pasteur. Alléluia. Amen. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Par moi-même, je ne peux pas y arriver. Par moi-même, je suis fait, Seigneur. Mais donne-moi la capacité de ne pas vivre n'importe comment dans ce quartier jusqu'à ce que tu m'enlèves ici. Amen. Il y a la personne dans le début, il m'appelait monsieur. Le frère. Maintenant, il m'appelle papa. Il dit papa maintenant. Alléluia. Maman ici est tombée. Bonsoir papa. Dieu est bon, hein. Mais c'est parce que j'ai prié Dieu de me bien comporter. Imaginez si tu me comportais bizarrement. Amen. Il y a une maman dans la cour. On dit cette maman, elle est bizarre. Avant-hier, cette mère rentrait chez moi à la maison. Elle dit, pasteur, je te vois. Je veux que tu pries pour moi. Il dit, je suis pasteur. Alléluia. Il n'est pas mon pasteur, maman. Pourquoi? Il n'est pas mon pasteur, pasteur. Il veut que tu pries pour moi. Ton attitude. Tu te qualifies devant les gens. Ton attitude. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à voir un bon comportement dans le quartier, dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre entourage. On doit avoir un bon comportement. Ton comportement peut convertir une personne, peut convertir un musulman, peut convertir un féticheur. Alléluia. Aujourd'hui, nous les chrétiens, vraiment. Deuxième chose. Parce que Dieu a fait pour toi. Parce que Dieu a fait dans ta propre vie. Parce que Dieu a fait dans ta propre vie. Tu peux évangéliser par ton témoignage en d'autres termes. Par ton témoignage. Tu connais ton témoignage. Je connais mon témoignage. Si je te donne mon témoignage, bien aimé, tu vas acclamer. Si tu me rends mon témoignage, tu vas acclamer.
Mais par ton témoignage, tu peux gagner le monde. Par ton témoignage, tu peux changer la vie des prostituées. Alléluia. Il y a une fille, elle était une prostituée aujourd'hui, Jésus l'a gagnée. Elle prêche l'évangile. Quand elle rend son témoignage, wow. Il y a des personnes qui s'arrêtent de la regarder. Quand moi j'ai le goût, il dit, frère, mes soeurs, vraiment, même quand on a dit, moi je ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Mais en réalité, c'est son témoignage. Elle a rendu pas son témoignage. Il y a des personnes qui ont donné la vie à Jésus. Je suis témoin de ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit. Par son témoignage, il y a eu des tontons qui ont donné la vie à Jésus. Pendant qu'elle prêchait même l'évangile, elle rendait son témoignage. Dans le fond océan, la fille rendait son témoignage. Il y avait son concours ancien qui passait. Le gars s'est arrêté. Il a dit, c'est toi qui prends l'évangile. C'est que vraiment Jésus est vivant, il est vrai. Alléluia. Nous tous on est étonnés. Mais comment tu. Elle dit, c'est pas ça. Alléluia. Le gars a filmé. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Parce que c'est je la connais. C'est une fille de l'année. Elle a filmé ça. Elle a fait faire tomber les bouteilles de bien. Ça tombe seulement. Ça tombe. Elle est là, n'est pas ça. Alléluia. Amen. Par ton témoignage, tu peux changer les vies. Par ton témoignage. Si le pasteur donne à cette seulement des témoignages, frère, tu sens que c'est. Alléluia. 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 Cet homme qui voit là. Attention, hein. Amen. Quand tu le regardes, tu sais que Jésus transforme. Alléluia. Quand tu le regardes, tu sais que Jésus, vraiment, il est bon. Son témoignage, son homme peut convertir des personnes de vie. Mais pourquoi ne pas avoir ce témoignage au dehors? Pourquoi ne pas parler de ce témoignage? Pourquoi ne pas parler de ce témoignage? Tu dois parler de ton témoignage. Tu sais là où Dieu t'a enlevé. Dans les fins fonds, tu manges. Dans les maquis, dans le bois de nuit. Tu sais là où Dieu t'a enlevé. Par ce témoignage, une âme est sauvée. Quel est ton témoignage? Papa, quel est ton témoignage? Maman, quel est ton témoignage? Rends ton témoignage. Ce n'est pas savoir connaître, c'est pas ton savoir, faut connaître toute la Bible avant d'évangéliser. Ton témoignage peut changer une personne. C'est bon que connaître la Bible, c'est important, je t'encourage. Mais ton témoignage peut changer la vie d'une personne. Tu peux aller prêcher la Bible et ne pas transmettre une vie. Mais quand tu viens pour témoin seulement, ça change une vie. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu dois rendre ton témoignage. Maman Yapi, on doit rendre notre témoignage. Alléluia. 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 Troisième chose, par ton engagement à aller dans les maisons, dans les foyers, dans les familles, en distribuant les traités. Troisième, par ton engagement. Par ton engagement à aller dans les maisons. Tu dois prendre l'engagement maintenant. Alléluia. Tu dois prendre l'engagement maintenant. Aller dans les maisons. Parce que les hommes peuvent sauver si nous ne pas vers. On va l'église dit attends, prier. Seigneur, apporte les âmes. Je lisais le livre de Osborne. Osborne était un évangéliste vraiment. Dieu a utilisé d'une manière extraordinaire. Je lisais son livre. Il a dit que il y avait un groupe de personnes qui priaient chaque jour. Ils priaient pour une femme qui était. Je ne sais pas, c'est une femme qui les persécutait en fait. C'est une femme qui les aimait pas. Maintenant qu'ils sont mis à prier pour la femme, il dit à Dieu, Seigneur, convertis la femme. Et c'est comme ça, lorsqu'on est arrivé dans la série de prières, et il a dit, hey, comment toi tu vas envoyer cet esprit d'aller convertir la maman. Amen. C'est ton travail. C'est votre travail. Arrêtez de prier pour envoyer le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit à qui Dieu a dit il doit aller. C'est toi. C'est toi qui tiens. C'est toi qui a dit tu dois aller vers. Toi tu es dans la maison et tu pries pour dire Seigneur, pardon, faut convertir ma maman. Alléluia. Romains chapitre 10 dit. Les gens croyants n'ont pas entendu parler. Comment ils vont-ils croire? Si
comment ils vont croire? Qui va parler? C'est toi et c'est moi. C'est nous qui doit aller parler. Aller vers eux par nos propres engagements que nous prenons devant Dieu. Je prends l'engagement, Seigneur, de prêcher ta parole. Comment ils vont croire si on n'a pas entendu parler? Alléluia. La reine. On va prendre l'engagement. On va s'énerver d'être à ce nom. On va nous fâcher à nous-mêmes. On va se dire qu'on ne travaille pas. On fait rien. Amen. On fait rien. On doit prendre l'engagement d'aller vers pour évangéliser les personnes. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, on n'a pas peur. On est jeune. On est toujours ici. On n'a pas peur. Le don que Dieu nous a donné, on est capable, par ce don, de courir ici. En une semaine, en un mois. Alléluia. Je crois en ces dons. Je crois en ces capacités que Dieu a mis à chacun d'entre nous. Mais si on prend l'engagement, cela va se faire. Mais si on prend l'engagement, on sort à la maison toute la semaine, on dort. Quand le dimanche arrive, on vient à l'église. C'est normal qu'on soit sur la blanc. Alléluia. Alléluia. Tu dois prendre l'engagement pour aller évangéliser. Alléluia. Quatrième, en apportant l'évangile de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville. La Bible dit, Jésus allait de village en village, de ville en ville, pour apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Toi aussi tu dois aller de village en village. Arrête-toi d'étendre ses limites, pas seulement à Abidjan. Nous devons bâtir l'auditorium ici à Abidjan. Mais on doit aussi là-bas à l'intérieur, à Korobo, à Man, à Dawa, dans les campements. La reine doit arriver là-bas. Alléluia. Si on prend l'engagement d'aller de village en village, à Boaké là-bas, nous devons aller parler de la part de Jésus. Pas seulement à Abidjan. Là, quand tu vas au Nigeria, les grandes églises ne sont pas seulement à Lagos. Alléluia. Ils ne sont pas seulement à Lagos. Quand tu vas en Afrique du Sud, Pasteur Christ n'est pas à Johannesburg. Alléluia. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont eu la vision d'État. Mais si nous on a la vision de laisser Abidjan seulement. Alléluia. Si on a la vision, puis on peut aller quelque part à Taloa. Tu vas t'arrêter sur un terrain, prier et Dieu va te donner l'auditorium. Ce terrain-là, il t'a parti l'auditorium. Amen. Mais si tu ne vas pas dans ces villages, dans ces campements, on préfère rester à Abidjan pour rouler dans les grosses voitures. Alléluia. Pour rouler dans les grosses voitures. Je suis venu dire à l'église. Je suis venu dire à l'église. C'est temps de se lever. L'église doit se lever. On doit changer de mentalité. On doit changer nos positions. L'église doit se lever. Aller dans les villages. Aller dans les villes. Dans les campements. Pour annoncer l'évangile. Pour annoncer la parole de Dieu. Quand nous sommes dans les derniers temps. Jésus le dit bientôt. L'église, on doit se lever. On doit aller dans les campements. Le temps n'est plus à dormir. L'église doit coloniser un peu devant ton trou. On lutte les fidèles. C'est mon fidèle. Non, il a pris mon fidèle. Là, je déclare. Alléluia. L'église doit changer de mentalité. Les hommes meurent. Les hommes meurent dans les campements. Les hommes sont en train de mourir. Puis même les hommes meurent. Les gens vont en enfer de jour en jour. C'est en train de détruire les vies. C'est en train de détruire les personnes. Par l'alcool, dans le sexe, dans beaucoup de choses, dans la sorcellerie. Regarde une fois, la franc-maçonnerie a pris son emploi en Côte d'Ivoire. L'église doit aller. L'église doit s'élever pour changer les conditions. L'église doit s'élever pour annoncer l'évangile. L'église doit s'élever pour aller dans les villages, parler de sa part. Jésus d'abord au dehors, pas dans les maisons. Jésus m'entend dans les rues. Aujourd'hui, l'église a abandonné les rues. Voilà pourquoi on peut voir les gens mal intentionnés. C'est bien dans les rues. Écarter le nom de l'évangile. Prêcher n'importe quoi. Parce que l'église, en passe à rien. Tout ton programme, qu'est-ce que je dois faire? Parce que dimanche dans l'église, je dois faire une mèche. J'arrive jusqu'à ici. Je dois faire un maquillage. Pour que quand j'arrive à l'église, je parle. Pendant que quelqu'un a besoin de toi, la personne a faim, la personne n'a rien à manger, la personne a besoin de l'évangile. Mais toi, tu te passes la personne, chaque jour, chaque matin, tu te passes la personne, tu viens à l'église.
l'église. Et comment la méchanceté s'est installée dans l'église. L'église, où es-tu? Jésus n'a pas donné sa vie en vain. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Le sacrifice n'est pas en vain. C'est pour annoncer sa parole. La croix n'est pas en vain. La puissance de Dieu veut se manifester. Dieu veut se démontrer par sa puissance. Dieu veut libérer les captifs. Dieu veut guérir les malades. Dieu veut marcher les paralytiques. Mais toi, tu prends le chemin. Toi, tu préfères rester à la maison. Toi, tu préfères abandonner la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Toi, tu préfères, à cause du travail, à cause du mariage, parce que tu n'es pas marié, tu ne prêches plus l'évangile. Parce que tu n'as pas mangé, tu ne prêches plus l'évangile. Parce que, bien avec, tu n'as pas voyagé, tu prêches l'évangile. Et comment l'église a démissionné de son poste. Ça fait pitié. Ça fait pitié. L'église, c'est sur les réseaux sociaux pour critiquer les gens, pour critiquer les hommes de Dieu. On est sur les réseaux sociaux pour parler mal. C'est notre travail. Pendant que les gens meurent, est-ce que c'est la mission que Dieu t'a donnée? Pour te faire voir sur les réseaux sociaux. Voilà comment je suis appuyé par Facebook. C'est tout ce qu'on sait faire. Bien aimé, l'église, Dieu nous appelle dans le jugement. Dieu nous attend à son carrefour. Dieu nous attend son pas de fou. Alléluia. Cinquième chose. Tu dois évangéliser par tes actions des actions sociales. Par tes dons. Tu peux gagner une âme par ton argent. Aujourd'hui, on est plus prêt pour investir notre argent dans l'évangélisation. On préfère payer les grosses maisons. On préfère payer les grosses voitures. Bien aimé. Tu dois investir ton argent. Tu as besoin de ton argent pour aller gagner les âmes. Tu as besoin de tes habits pour aller gagner les âmes. Tu as besoin de tes dons. Tu as besoin de savon. Tu as besoin de jules pour aller gagner les âmes. Tu as besoin de toutes ces choses. Il y a des personnes qui sont dans les rues, qui n'ont même pas d'emploi. Il y a des personnes qui sont dans les rues, qui n'ont même pas des habits à porter. Il y a des personnes qui sont dans les rues, délaissées, abandonnées, méprisées. Dieu a besoin de toi, de tes habits, de ton argent, de tes chaussures pour aller gagner ces personnes. Le Christ m'a gagné en faisant les actions sociales, en faisant les temps. On pense seulement à nous-mêmes, comment on doit s'habiller. Pendant qu'on n'est pas prêt pour partager nos vêtements. Aujourd'hui, quand il y a quelqu'un, il te donne un habit, c'est un habit que lui l'a emporté, c'est fatigué jusqu'à. C'est ça qu'il m'a enlevé pour te donner. Alléluia, ce n'est pas ça. Quand tu donnes un don, bien aimé, la Bible dit quand tu aimes ton frère comme toi-même, c'est ce que tu coûtes cher que tu dois lui donner. Alléluia, ce que toi tu peux aimer, c'est ce que tu lui donnes. On peut le donner dans le monde. Amen. Toi, tu es donné dans le monde. L'église. L'église, où es-tu? Esaïe a dit, peuple, me voici, envoie-moi. Tu as dit, qui enverrai-je? Tu marcheras devant moi. Tu vas annoncer ma parole. Tu vas annoncer l'évangile. Tu vas prêcher ma parole. Tu vas annoncer l'évangile. Qui enverrai-je? Dieu cherche des personnes. Dieu cherche l'église. Dieu nous cherche. Où es-tu, l'église? L'église, où es-tu? L'église, où es-tu? Dieu te cherche. Dieu te cherche. Où es-tu, l'église? Alléluia. 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 Si je parle avec quelqu'un, Père, acclamer le Seigneur Jésus qui vient de Nazareth. Si je parle avec quelqu'un, Père, acclamer le Seigneur Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas être debout avec moi. Tiens, enlevé. Oh Seigneur, Marie-Cat. Alléluia. Tu vas prier ce matin. Tu vas prier ce matin. Tu vas parler à l'Éternel. Tu vas rentrer en toi-même. Parce que tu sais que tu as démissionné l'église. L'église, tu sais que tu as abandonné ton poste. Allez, on a démissionné. Nous allons nous repentir devant Dieu. Nous allons nous repentir, demander pardon à Dieu. Et prendre l'engagement de parler de sa part. Rentre en toi-même.
et prie le Seigneur. Demande pardon à Dieu sincèrement. Voilà l'Éternel, n'aidez pas quelqu'un. L'arrangement est personnel. Père, nous te bénissons. Le Dieu qui agit en tout temps. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, ce matin, je déclare et je prophétise dans la vie de tes enfants que à compter d'aujourd'hui, Éternel Dieu, tout ce que qui les empêchait, Seigneur, de parler de ta part, Seigneur, tout démon éternel qui les influençait, je déclare et j'entends au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui libère la vie au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, tu mets ton amour dans la vie de tes enfants. Que Éternel Dieu, maintenant qu'ils sortent et qu'ils parlent de ta part, qu'ils annoncent ta parole, à cause de ce qu'ils vont annoncer, que ta grâce sera bon sur la vie, à cause de ce qu'ils vont annoncer, que la bénédiction, Seigneur, s'attache à la vie, à cause de ce qu'ils vont annoncer ta parole, que la sécurité soit leur partage, que tout le plan de l'ennemi dans leur vie, Seigneur, soit nul et son. Soyez avoués à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Éternel. Je prophétise la gloire de Dieu. Je prophétise la restauration. Je prophétise en cette semaine que tes enfants vivent les miracles dans tous les domaines de leur vie. Dans le domaine financier, dans le domaine matrimonial, dans le domaine spirituel, dans le domaine physique. Seigneur, dans tous les domaines, qui vivent des miracles, qui vivent ta gloire, et que dimanche prochain, qui verra les témoignages de ta puissance, que j'ai prié, quelqu'un dise Amen. Acclame le Seigneur.